Salut les boys, ici Zanimastan, on se retrouve pour un nouvel épisode du Random Cerx, Random Dex, bien sûr, vous l'aurez compris, numéro 12, et dans l'épisode précédent, on avait chopé le badge Dynamo, voilà, parce qu'on aime bien les Dynamos. Ouais, je m'occupe des trucs. Et en off, je suis allé récupérer donc Éclatroc, qui est dans la maison au sud de la Vendia, donc une petite maison de qualité. Alors, Éclatroc, 55 de puissance pour 95 de précision, c'est pas ouf. Et vous allez le voir, j'ai aussi le vélo de ses morts. Voilà. Vu qu'on peut courir partout, est-ce que ça va être utile? Peut-être. De toute façon, pour aller sur la piste cyclable, oui. Est-ce qu'on a besoin d'y aller? Non. Voilà, donc on commence à Ninjasque Galégon. On aura pu s'entraîner contre eux avant de faire l'arène. Mais je suis un homme qui fait pas ça. Voilà. Donc je suis un homme qui s'en fout totalement. Donc on est parti. Ninjasque tient bien le coup. Poison qui va nous détruire. Écume. Oh, c'est un peu la tiasse potède là. Là c'est un peu. On va se calmer sur la tiasse quand même. Je vais jamais le level up la tiasse, c'est ouf. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Non. On a bien vu que ça tapait pas des masses. Oh, les dégâts. Et allez, le toxique! Allez, on y va! Quel enfer! Quel enfer! Faut force calmer et me laisser attaquer au bout d'un moment. Je préfère ça en dégâts quand même. Alors, le claquoir de ses morts. Putain, ça lui fait rien du tout. Allez, on toxique Masco, puisque ouais, voilà. Il faut faire partager tout le monde. Bien sûr. Bien sûr. Et la bulle d'eau. Qui fait pas du bien. Hein. J'aurais aimé tuer. Ouais, le poison plus claquoir. Quel enfer! Quel enfer. Ouais, tuons ce Ninjask, déjà. À niveau 24, c'est bien. Alors, les chouilles qui va faire mal. Ça va, je pensais un peu plus. Voilà, Galégon, c'est l'histoire... cette anecdote sec. Ah, alors, tout ça pour me faire démolir, quand même. On s'est bien fait saigner. Mais Moi, je reviendrai peut-être pour m'entraîner contre vous. Alors qu'il y a les Bémépo ici. Ouais, mais je m'en fous. Ton oncle. Putain, timide, c'est mort. Timide, c'est mort. Ah, mais lui, il a pas 6 Pokémon, lui. De mémoire. Je suis amnésique. Quel enfer! Quel enfer! 17, par contre. Ah, ça aurait été bien pour entraîner Latias. Du coup, alors que notre ami en face est un joueur de VGC, mais je suis empoisonné. Non, mais deux fois, je m'énerve pas. Je ne vais pas m'énerver. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je vais pas m'énerver. Ouais, mais faut pas faire trois fois abri non plus. Hein. Au bout d'un moment. Ce masque nul. Poudreuse, mais très bien, qu'on s'en débarrasse. Voilà, merci. Merci à tous. Ce masque. Il a pas un moveset terrible, notre ami Masco. Hein. Bah alors qu'on va level up avec. Normal. Il va refaire abri, vous allez le voir.
Ouais, bon, c'est bon, ça va taper 5 fois. Mais mange tes morts. Parce que vous aurez bien vu à l'épisode précédent que je ne tapais jamais 5 fois. Voilà, casse-toi. Merci pour le level up. Bon, ça fait bien plaisir ces points XP. Oh, il s'appelle Isaac. Allez, point ombre. Voilà, ça tape super efficace. Allez, on prend les points XP, bien sûr, on crache pas dessus. Stalgamane. Oui, sécheresse, oui. Les rayons du soleil sont forts. Ils sont forts en chocolat, paraît-il. Et ben voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bastien, Groudon, de type haut combat, on le rappelle. Du coup, le Balbrume, bisous. Ça, je m'en souviens, Groudon, parce qu'il est le même type que Keldeo. J'espère que ça va pas tuer. Heureusement que les rayons du soleil sont forts pour atténuer la pince-masse. Parce que sinon, quel enfer. Allez, niveau 26 pour Sop. Il n'y a plus que 2. Alors, Négapi de type plante. De mémoire. Chaos Stream de type plante. Et on n'a pas de type. Ah, ça suffit pas. Point d'art, ça va tuer. Ouais, ça tue. Bon, on va terminer avec Wendy Renard. Va falloir peut-être qu'on aille se soigner quand même. On va voir. Parce que pour l'instant, on a fait 2 pas. On n'a pas avancé. On n'a pas. Oui, tu peux me foutre la paix, merci. T'avais pas d'objet. Logique. Logique, logique. Et le Spoink. De type, je me rappelle plus. T'as mis de la sécheresse, c'est. C'est interminable. Et implore, c'est le chaos. Et voilà. Vous avez battu Isaku. D'accord, on peut le réaffronter. Ça va être bien pour l'XP. On pourrait capturer des trucs. On va capturer des trucs. Armulis, on l'a pas. Donc on va essayer. Tout en mourant du poison. Voilà, la réponse est non. Non mais tout va crever sous les coups de d'Altaria? Ou comment ça se passe? Oh non! Oh non! Oh non! Qu'est-ce qu'il me veut? Alors, Chartor, envoyé par Régis. Incroyable, Chartor. Rayon signal, j'ai confiance. Pas du tout, t'es plus rapide. Non, mais voilà, je vais devoir envoyer Métagross. Bon. Pas du tout, j'envoie Cacnéa. Cacnéa, j'ai menti. J'ai menti. J'avais menti. Il a point poison, le fils de chien. Le fils de Kong. Je vais lui faire passer l'envie de pailler, moi. Voilà. Si t'as envie de dormir, bah tu voilà, tu dors. Mais moi non. Merci. Non, merci. Oh. Par contre, du coup, on va basculer Cacnéa et mettre Métalos en dernier. Donc, je disais, un Pokémon à capturer. Alors, je parlais d'un Pokémon que nous n'avions pas, hein, pas d'un Rantboom de ses morts.
Niveau 21, c'est-à-dire que si on trouve un Pokémon intéressant, potentiellement il va remplacer Latias. Malheureusement pour Latias que j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que l'entraîner va être assez compliqué. Ah, ça m'enjaille pas des masses, hein, pour bien vous avouer. On va le capturer parce que voilà, c'est le principe du random dex, mais je ne pense pas qu'on jouera avec Avaltou. Dracossouf, ça devrait pas tuer. Ça devrait pas tuer. Donc c'est parti. Ils sont où les Pokéballs? Ils sont où? Allô? Donc Avaltou, hein. Oh, déjà qu'il commence à sortir. Ouais, fais des cauchemars, fais des cauchemars. Ça ne me dérange pas. 2. Connard. Ah, en plus, il a l'échouille qui m'intéresse pas mal. Oui, Metagross. 162 PV. J'ai halluciné ou j'ai vraiment vu ça? Oh oui, j'ai 162 PV, niveau 27. Une grosse passe stat de PV, si vous avez vu, vous avez le passe-bin, hein, des stats des Pokémon, si vous voulez les voir, que j'ai capturé. Et il me semble ouais, qu'il a pas mal en PV. Alors, Avaltou, donc on avait appelé Gloopty Redemption. Je pense que son évolution est du même acabit que Cacherait. Voilà. Appelé Cacherait, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que le pognon sur YouTube avant tout, bien sûr. Voilà. Donc, c'est capturé, mais j'aimerais bien aller me soigner. Merci beaucoup. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Cet homme est fatigué. Cet homme est fatigué. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en vacances. Et ça, c'est bon. Même d'ailleurs à l'épisode 11, hein, en fait, ben, je venais d'être en vacances. Super. On s'en fout, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir à dire. Des vacances bien méritées. Et c'est pour ça que je vous tourne des épisodes en avance aussi. Donc on capture autre chose. S'il vous plaît, merci. Un petit... Non. Non. C'est toujours non. C'est toujours non. Attention, technique, technique pour ne pas marcher. Oui, elle va te capturer, mais bon. Est-ce que ça tue? Ah, coup critique. Oh, bah super, super, super. C'est au moment où j'en avais besoin. Donc Armulis, nous allons le capturer. Pour quel surnom? Eh bien, comment allons-nous appeler cet Armulis qui ne ressemble à rien? On va l'appeler Kokong. Tiens, voilà, c'est un Pokémon Kokong, mais c'est Kokong. Voilà. Gros surnom. Voilà, merci, le Kokong. Qu'y a-t-il d'autre? On va continuer tant qu'on y est. Nengal? Bah du coup on n'a pas Nengal. On a capturé Munji. On a capturé Muncha? Non. Faut qu'on en a aucun de la lignée. Donc on va le capturer. Aïe, c'est super efficace, mais ça tue pas. Allez, fais-toi le sens en fond, on peut pas s'échapper, mais c'est pas le but. But, le juste prix. Et donc, comment on va l'appeler ce Nengal? C'est une bonne question. C'est apprenti, Pokémon apprenti, Nengal. Nengal.
Ningal. Non, c'est absolument nul. Non, Ningal, voilà. Voilà, super surnom donné par le joueur français. Et, bon, on va se faire aggro. Je fais du triathlon avec mon Pokémon. Alors, je suis confiante pour la vitesse. Ouais, enfin, il faut être endurant quand même. Il faut pas non plus courir très vite. Ben Mediena, Aéroblast. Hein. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Mais en plus, ouais, le mec a pas compris que c'était résisté, donc j'ai fait plus de dégâts avec Tornade. Bon, il était type roche, de toute évidence. Donc type roche. Non, c'est lui que je vais envoyer. Vous avez compris, type roche. Voilà, on fait comme ça. Je pense que vous êtes d'accord chez vous. Vous avez battu triathlète Maria. À toi aussi. C'est vrai qu'il y a une zone pour XP là quand même. Il y a une zone de dresseur aussi. Hein. Un peu relou. Padam pam pam padam pam. Oui, alors Latias effectivement est un Pokémon qui a une très bonne attaque SP, donc il va me faire mal. Voilà, merci. Est-ce qu'on a quelque chose qui fait mal au type vol? De mémoire, non. Oui, claque matinale, calque matinale, j'ai boîte matinale, ça va tuer ça. Cacnea, c'est fragile quand même. Pic-pic, il ne rate pas. Allez, Sop, je ne te fais confiance. Putain, c'est vrai qu'il a pris amnésie. Ah, ça j'aime. J'aime comment tu résistes. J'aime comment tu encaisses les coups. Le petit 1000 points d'XP. L'ombre. Envoyé par Didier. Je m'en fous. Je m'en fous un peu. Ah oui, t'as gonflé tes turbos. Voilà. Qu'est-ce que. Ouais, ouais, non, mais c'est bon, c'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. Barrez-vous. C'est. Ah, bah oui, du coup, il est plus rapide. Mais il est bloqué sur gonflette. Hein. Il est choice scarf. Ça existait pas en 3G, spoiler. Enfin, il me semble. Eh, merci Didier. Allez, salut. Ah, elle aussi, elle a 6 Pokémon de mémoire. Ah, c'est le moment chiant. Hein. Ah, on se fait chier. Hein. Ah non, elle en a pas 6. C'est pas elle qui en a 6, c'est ça? Ah, quoi que si, je crois qu'elle en a 6. Bon, par contre, sécheresse. Oh, je me rappelle plus le type d'Onigladi. Danse folle, mais tu vas voir, oui. Non, mais oh. Il va me faire danse folle, lui. Pardon, on s'excuse. On s'excuse pour ce. Mais il y en a bien 6. Et Tarsal. En plus, sécheresse avec les 6 Pokémon de la team, on va se faire chier. Wendy Renard, quart de finaliste. Mais c'est tout. Le petit Drattak.
Posey. Bon, je vois pas ce qui pourrait nous arriver d'affreux hein, sur ce match. Ça tue pas, hein, mais ça me fait chier. Allez, tu peux le faire. Bip bip bip. Je suis toujours sur la danse folle. C'est les rocks. C'est Jean Rock. Allez, on fait un plore. Vraiment. Zip zip zip. Voilà. Voilà, je t'apprendrai à faire boule armure. Cacnea tient donc une connaissance de type dragon. De type dragon. Bon, on va faire quand même un plore. Par contre, ça sera courage, ouais. Elle est pas appréciable. Bon, on savait qu'Acnea fragile de toute façon. C'est pas un problème. Et le dernier, c'est Chapignon. C'est chouette. C'est Chapignon. Vraiment, la masse d'os. Bzip, bzip, bzip. Il le tient. Allez, en plus, elle va me donner son numéro de téléphone, je crois. Donc ça fait des dresseurs à farmer. Et on a battu Clotilde. Qui s'appelle Clotilde? On se pose la question. On va se soigner bien sûr. Tant qu'on y est, est-ce qu'il y a des gens intéressants? Ouais, mais en fait, j'aimerais que tu me parles pas deux fois, en fait. Merci. Alors, le truc, c'est que je peux pas voir la puissance de Taïad. Ouais, on n'est pas sur la même longueur d'onde, et ta sœur. Je m'en fous de la tente de combat. J'en ai rien à carrer. Je m'en fous. Merci. Allez, on va aller au tunnel. Ah oui, il me semble que c'est la grotte où ben, on voit rien justement. Ouais, mais c'est bien. Mais fais ça dans ton coin. Ouais, c'est ça, c'est la grotte de ses morts. Ah, la grotte grisée. Elle est tout grisée. Et ça va nous permettre de revenir à... Mérouville. Bon, je sais plus quel type est Rosalia. J'allais dire Rosalia comme la ville de Pokémon Or. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Oh non! Ouais, c'est ça qu'on aurait dû faire avant. Ah, peut-être qu'avec la drop d'attaque SP, on va peut-être le tenir. Et ça, c'est beau. C'était calculé, bien sûr. Vous me connaissez. Zigzaton par Montagnard Maximu. C'est le coup critique. Pas du tout, mais c'est super efficace. On le savait pas du tout. No fake. Barloche. Ah oui, montre-moi tes barloches. Ah mais ils sont tous... Ils résistent tous à point ombre. Putain.
Bayonetta, au Counter Team. Pas du tout. Ah, ça, ça fait plaisir, le drop d'attaque play, même si ça n'a pas de sens du tout. Allez, le drop d'attaque play encore. C'est maintenant. Bon, il est bloqué sur l'Iresprit, il est mon choix. Voilà. Voilà, et c'est comme ça qu'on tue un Barloche. Parce qu'il est mon choix l'Iresprit. Voilà. Merci. Ouais, ouais. Je veux juste... Ah, récupérer l'objet. Ouais, en fait, non. Eh, la grotte, elle est tout grisée, là. Mais j'ai juste à aller par là et éclater le roc. Pareil, cool. On l'a déjà, en fait. Oui. Ah, mais je l'ai pas pris. Espèce de gros sac de viande. On va le donner. Ben on va le donner à Metagross en fait, parce que du coup on peut taper assez aisément les types classes qui nous feraient chier. Notre arc au souffle, je le garde, je suis obligé de le garder. Je vais enlever Tourbissable, tant pis. C'est à peu près la même puissance. Et puis ça tapera... Ouais, c'est un peu con parce qu'on a un type sol qui tape le type acier déjà. Mais au moins pour le type glace, le faire chier. Et c'est physique. Surtout ça. Et force. On a pris force, alors je sais plus où c'est qu'on en a besoin. En tout cas, nous allons sortir de cette grotte par là-bas. On ne devrait pas tarder à avoir vol. Hein. Est-ce qu'il faut nécessairement aller par là? Ou aller... on n'a pas Tarsal. Hein. Mais je vais le tuer. Est-ce que ça tue? Ouais. C'est ça, il faut revenir vers Mérouville, je crois. Je savais même pas qu'il y avait des Tarsals ici. Ouais, c'est ça. C'est par ici. Oui, Primo Groudon. Ah non, il faut revenir à Lavandia, je crois. Ah, on se fait chier, il faut revenir à Lavandia. Puisqu'il faut aller au chemin ardent. Bon, du coup, on va se laisser là, du coup, et on se retrouvera à Lavandia au prochain épisode. J'espère que vous l'avez apprécié, comme d'habitude. Moi, je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous êtes en vacances, ben, bonnes vacances, et bon courage à ceux qui travaillent encore. Des bisous!